Par contre, la tête d'homme, j'avais un truc qui me complexait à mort et je le dis devant tout le monde. J'avais un petit jet quand je faisais pipi. Non, quand j'étais petit, j'avais un trop gros jet. Et mon jet, il était trop puissant. J'avais un jet surpuissant. Personne n'avait un meilleur jet que moi. Mais j'étais connu pour le jet. J'étais vraiment le jet de Paris. Mes potes, tu vois, ils étaient là, ils me disaient, mais en fait, wesh, dinguerie, c'est quoi ton jet à haute pression? Pourquoi il a regardé ton jet, tes potes? Non, parce qu'il recevait des gouttelettes. Ouais, j'ai pas un gros jet, mais très fort pour trouver le point G. Power Wash Simulator, carrière, offre spéciale. Oh, il y a un mode histoire. Tu veux faire le mode histoire? Comment je t'en joue? Héberger la partie de code disponible après qu'une mission ait commencé. Ah, faut qu'on fasse une mission chacun oh avant. Non. Mais t'inquiète pas, c'est bon, c'est rapide. Ok. Ah, pas mal le jeu. Ok, les gars. Bah, du coup, on va jouer à ce sport dans 2 heures. Ça, je vous le dis. J'espère que vous êtes présents. Bon, mon jeu, comme il tourne bien, j'ai l'impression de. T'as vu, c'est vraiment, c'est propre. Hein. Faire pivoter dans un sens horaire et dans le sens anti-horaire. Bah, je m'y connais, moi, en anti-horaire. Ah oui. Avec le repère de Kepler, la rotation. Non, pas vraiment, non. Ok, ça marche pas. Oh, on pense bien nettoyer les roues. Oh, comment c'est crade. On dirait chez moi quand j'ai fait des soirées avec plein de drogues et des femmes. Avec plein d'alcool. Plein d'alcool, des femmes et des drogues. C'est exactement le même résultat. J'ai trop hâte de nettoyer avec toi en tout cas. Pas moi. Bon les gars, si ce jeu c'est juste laver et faire le même job que... Que les femmes, il allait dire. Vraiment, il allait dire ça, c'était sur cet enfoiré. Hein. J'ai vu que sur la miniature, il y a moi avec une femme. Arrête, putain. Avec les fesses. Non, sachez que j'aime toutes les femmes. Même les féministes. Mais nique ta mère. Tu vas vraiment nous créer des emmerdes en fait. J'rigole, oh c'est bon. Wesh. Oh le G, on dirait un G d'urine. C'est pareil quand je pisse. Vraiment penser que c'est une dinguerie comme genre vraiment le tuyau qui lance de l'eau, on dirait moi quand j'éjacule vraiment. Voilà les femmes, comment ça se passe quand ça fait du sexe avec moi en tout cas. Oh stop. Là les filles, écoutez-moi, si vous voulez prendre ça sur le visage, faut venir me DM en tout cas, parce que là vraiment c'est mode de visée. Wesh. Oh le wesh, appuie sur C frère. Ah ouais, what the fuck. C'est comme on se dit. Maman, joue à un jeu là où faut laver des voitures, c'est le monde s'inverse. Aïe! Mais j'ai cru là, c'était une bonne! Le monde s'inverse, elle t'a direct frappé. Un jeu où faut laver pendant 15 minutes des voitures. L'intérêt, je sais pas, tu demanderas à mon boss. Let's go, réussi! Qu'est-ce que c'est long ton jeu de merde! Non, mais ce sera plus rapide à deux. Combien de personnes qui. Ah, ok, on a perdu la moitié des viewers, d'accord. Non, rigole, on est presque 300. T'as rejoint ou pas? Ah, faut que te. Mais je sais pas si j'ai fini. Mais pas grave, rejoins quand même. Mais non, parce qu'il faut finir la mission. Ah, apparemment, tu peux quitter les missions en cours de route sans problème. Oh les menteurs, ils veulent trop me niquer ces mecs. Allez, vas-y, viens, c'est bon, tu casses le couille. Non, mais est-ce que t'es sûr que si je quitte? Je sais pas. Kylian, si je quitte, je pleure. Si je dois recommencer. Tu peux venir, s'il te plaît. Ah. Oh, je suis là. Nickel, on peut lancer. Oh putain, il y en a des choses à nettoyer ici. Hein. Oh, ça pue. Merde. Wesh. T'es où? Oh. Oh, ça pue. Oh, le RP. En vous, savon Prime Vista. J'ai du savon. Comment je fais pour acheter du savon? Boum. Comment tu fais, on asperge de savon déjà. Et après je lave. Voilà. La tête d'homme il m'a fait télécharger un jeu, on doit juste laver des bails. On peut pas jouer à Devour? Bah non, on a déjà ça. Oh le flingue de fou. Regarde comment je vais voir. T'as vu comment il est incroyable le mien? Il est dans le cul. Comment, t'as vu comment il est long? Il est un foulé moi dans le cul. Kylian? Comment ça j'ai 0 litre de savon? Kylian! Quoi? Tu me demandes un truc là. Tu me le. Ah ça t'a fait avancer hein. Ok ça nettoie bien ça. Et si on fait ça de loin, genre comme ça là? Bra. Je baise. Attends, je vais faire un. Attends. Et j'espère comme ça ils vont m'accepter. J'espère ils vont m'accepter. Comment ça ils vont. Comment ça t'espères ils vont t'accepter? Oh, il y a une voiture à nettoyer. Acceptez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai toujours rêvé de grandir en cité. Wesh. Qu'est-ce que tu laves quoi depuis tout à l'heure? Le gravier. Ok, ça va, c'est le gravier. C'est quoi le but du jeu? Bah, demande à Kélian. Bah, ça c'est lavé. En vrai, c'est bon, ils vont pas faire les chiens, ils vont pas casser les couilles, c'est bon, c'est lavé là. 23%, c'est tout. Des fois, faut vraiment partir sur des jets puissants. Hein. Ah, la clôture est propre. Oh putain, l'autre côté, ah, c'est crade. Les gens, ils savent pas se discipliner quoi. Le Hunter, il aurait pas ça lui. Ah, mais ma clôture, elle est incroyable. Ok, 31% lavé. On avait 31%, c'est bien non? Et regarde comment c'est propre, moi de mon côté, regarde ce que j'ai fait. Tout ça, j'ai fait. Les gars, j'ai une question dans le chat. Est-ce que vous kifferez pas que moi et Kélian, on aille sur G-Mode Dark RP? Le problème avec le mode Dark RP en fait, c'est que c'est comme dans tous les RP. C'est genre 99% du temps, on se fait chier et 10% du temps, c'est bien. On va sur un whitelist, Kélian. Et sur les whitelists, il y a toujours quelque chose. Oh Kélian, bête d'idée. On va en parler après. Tu vas faire quoi, dis-moi? Mais du GTRP, mais bien sûr que oui, mais tu te rends pas compte le nombre de jours qu'on va. C'est tellement chiant à mettre en place du GTRP. Le rendez-vous GTA avec SK et Kélian. Les gars, on lance une série GTRP, je te jure que ça devient une dinguerie. T'as commencé tout propre ce que je fais là. Mais tu sais que je commence à apprécier le jeu. Moi aussi, bah en fait c'est parce que l'on parle en fait. Ouais je te jure, je commence à vraiment apprécier le jeu. Toi j'ai remarqué t'aimes trop les petits trucs de la vie de merde. Ah mais alors moi je suis un optimiste de la vie hein. Ah mais tu sais que j'aime trop aller dans la rue et écouter une musique douce. Et je marche et je me dis putain la ville elle est belle quoi.
Tu penses c'est quoi la ville de France la plus dure à nettoyer? Grigny. Parce que déjà tu peux pas rentrer dans la ville. Tu sais, je suis là, je regarde dans mes appartements, tu vois. Et je voulais être à côté d'Evry, pour être à côté de chez mon pote. Et je dis ouais, je vois Adora, Tarteret, Grigny, Clichy, des trucs comme ça. Et je dis Grigny, il m'a pris en vocal pendant 15 minutes en me disant comme quoi je me ferais tuer. Et là, je crois en France, c'est l'endroit où t'as le plus de morts. Je suis un vrai mec de Grenoble. C'est Grenoble, la tête d'homme, on parle de Grenoble, la tête d'homme, Grenoble c'est chaud. Et on a fait 52%, on a bientôt fait la moitié. Mec, t'inquiète pas, il reste 1h30 de jeu. Moi j'aime bien hein. Mais oui, t'aimes trop les trucs comme ça. Mais c'est satisfaisant de tout nettoyer en fait, regarde. T'as déjà un pote qui s'est lancé dans le rap toi ou pas? Ouais, j'en ai. En fait, souvent ils font vraiment les stars alors qu'ils font vraiment 20 streams. Bah, tu peux, on devrait faire la star alors que t'as 20 streams, mais à partir du moment où t'es un peu chaud, tu vois. Ou tu peux. Non, pour moi tu fais jamais la star, peu importe ton nombre de streams. Tu traînes avec des gars, tu traînes avec eux jusqu'au bout. Bah, toi, je peux dire ton comportement quand t'étais à Paris et que tu disais à tout le monde que t'étais chez Manga Trash et que t'avais je sais pas combien de millions de vues par mois. Bah oui, je l'ai fait ça. Toutes les femmes que je voyais, j'arrivais, je faisais Manga Trash sur tel CV. Est-ce que toi vous connaissez depuis quand? Raconte-leur notre histoire. Il est venu en tant que monteur et une fois je fais un document pour demander aux différents monteurs de toutes les chaînes comment ils se sentent dans leur propre chaîne. C'est remarqué que lui il a lâché des qu'elle danse un peu un pouilleux mais il s'est rattrapé récemment, du coup ça va. Bon, j'ai hésité à le dégager à la seconde où j'ai lu ça parce qu'en plus il était pas très bon à cette époque. Il nous a pondu un montage crap game. Il a fait retarder la chaîne de toutes les vidéos pendant 2 mois. Arrête, t'as dit que le montage était bien, juste le dérush était. Bah oui. Bah voilà. Ce que je sais, c'est que je n'ai jamais fait d'aussi gros retour de ma vie, je pense. Posez-nous des questions dans le chat et on y répond en mode FAQ. Oui. Est-ce qu'est-ce qui est ton youtubeur préféré? C'est qui ton youtubeur préféré, toi, Kélian? Bah, moi j'ai pas de youtubeur préféré, c'est des phases. En ce moment, je mate de ouf Léo Duff. Moi aussi, je mate de ouf Titeuf. Non, Léo Duff. Ok. En fait, moi je me mate pas YouTube, ou alors le soir quand je m'endors, je kiffe trop m'endormir avec des histoires en mode de Star Wars, la tête d'homme. C'est trop une dinguerie. Vous faites des lives pour la thune, pour vous amuser? Que pour l'argent. Que pour l'argent, ouais. Uniquement pour l'argent. Non, ça c'est propre, ça c'est pas propre. Oh l'horreur. Oh, okay. Je te déteste de faire installer ce jeu, je te déteste. J'ai l'impression que je fais des devoirs, je te parle sérieux. Et là, regardez la belle ligne que j'ai fait, les gars, attention. La belle ligne, on nettoie tout proprement là. Oh putain, c'est tellement satisfaisant, j'adore. Regardez la belle ligne. Comme une petite tocha, on la caresse. Oh mon dieu. Je ne comprends pas comment il peut y avoir autant de viewers. Non, moi je comprends. Ah ouais? Oui, on est au summum du gaming français. Oh bordel de merde. Viens voir moi. Regarde comment tout ce côté-là est méga propre et comment tout là-bas c'est dégueulasse. Ah ouais, j'avoue. C'est immonde. Mais est-ce que t'es un peu fier de toi après ce que t'as fait là? Kylian, j'aurais préféré peut-être travailler ma chimie, je pense. Là, j'aurais été fier de moi. Putain, quand je vois toute la crasse qui me reste, ça me dégoûte. Moi, ça me dégoûte, je vais le lécher et de me frotter à ça, comme à Labrador. Ok, on classe les plus grosses bites de trash. Bah, moi, top 1, c'est sûr, mais en dehors de ça, Neoxys, il a un sacré FIFA 22. Ouais, FIFA 24. Non, 22, c'est. Lohan me l'a confirmé, il l'a vu. En fait, Neoxys, il faisait un bain de minuit dans la villa, il sort de la piscine, et Lohan, il est tombé à nez avec Neoxys à poil et son énorme FIFA 22. Tu tombes contre Neoxys à poil, mais t'es obligé de te faire baiser en fait. Moi, je me laisse me faire baiser. Hein. 80% nettoyé, mec, est-ce que tu te rends compte? Wesh! Mais nique ta mère! Nique ta mère! Pourquoi t'as le petit G? Pourquoi? Ça marche très bien, ça! Oh merde. T'es vraiment une sale merde hein. T'es vraiment une merde. Ça fait une heure que t'as avec ça là. Oui. Putain. Et quand le machin blanc suffit plus, là tu baisses un peu le... Tu baisses un petit peu le truc pour que c'est un peu plus concentré. Concentré? Ah, concentration en mol par litre. C est égal à N sur V. Qui N est égal à M. C'est quoi vos films préférés, Alvin et Chipmunks? Mon film préféré c'est 11-09-01. C'est quoi moi, mon film préféré? C'est le film sur Dark Vador là. Je suis ton père. Immonde. Kylian, tu préfères faire une vidéo avec Sario, Lohan ou SK? Ça dépend vraiment le jeu. Meilleure vidéo de la chaîne, c'est le concours d'anecdotes. Tu penses un concours d'anecdotes avec moi, ça aurait été incroyable? Non, parce que je pense que t'as vraiment des anecdotes moins folles que nous. D'accord, pense. Alors du coup, je t'arrive à Grigny et là, j'ai vu deux Kalash. Oui, je suis Oussama Hamar. C'est un mec qui a redoublé genre dans mon lycée. Anecdote. Un mec a déjà redoublé dans mon lycée. T'as vu qu'il a redoublé dans mon lycée? Il me parle et tout. Il dit ouais, je redoublais. Il dit maintenant, je veux que tu m'appelles l'ancien. Du coup, je l'appelle l'ancien. Voilà. Donc l'anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? Petit concours d'anecdote avec SK, c'est plaisir. Oh mec, regarde, il reste plus que la table. Mec, nettoie bien la table, il reste la table et le lac. La laque pour les cheveux? Non, le lac. Ce que j'aurais kiffé, c'est vraiment qu'on joue un jeu mode ouvert. Prochain jeu qu'on fait, c'est un jeu de mode hiver. Mode hiver, un mode ouvert. Ouais, enfin un petit mode hiver. Un jeu, s'il a pas de mode hiver, je n'y joue pas, mon truc. Arrêtez d'aller au McDo avec tous vos copains. C'est possible, moi je te bouffe l'arrêt et je te bouffe le zizi. T'inquiète pas, moi je suis mon ref, viens avec moi. T'inquiète pas. Pourquoi t'as le mini-jet? Pourquoi t'es resté 15 secondes sur une chaise qui était propre? Pourquoi tu nettoies partout sauf là où c'est sale? Du coup, tu nettoies quoi depuis tout à l'heure? Bah, la chaise! Ok, non, bah, je pensais que tu nettoyais d'autres choses, mais non, ok, excuse-moi. C'est ce mec matrixé par Billy. Comment ça, mon ref? Ce mec matrixé par Billy qui va aux courses. Comment ça, mon caissier? Ce mec matrixé qui inverse un genre de foot connu avec un caissier. Et qui est matrixé par Billy. Comment ça, mon caissier, t'as pas marqué un triplé? Okay. Les gars, moi et Kylian, on fait les yo les trashers et vous dites celui qui fait le mieux, ok? Vas-y. Commence. Toi, commence. Yo les trashers! Yo les trashers! Putain, tout le monde dit SK, laisse tomber. Wouhou!
Alors Neoxy, ça tremble là, ça se chie dessus là. Je suis désolé. Fils de pute, ta maison elle est pas propre. Arrête de m'envoyer des snaps là. Ouais, casse les couilles. Relâchez. Ta maison elle est pas propre, espèce d'enfoiré. Où est-ce que c'est sale? Là c'est propre. Y'a tout qui est propre, mon misogyne, je ne comprends pas. Les bords de l'escalier. L'escalier, ok, on va chercher l'escalier. Putain, oui, c'est là. Ah, l'endroit que j'ai pas fait. Let's go. Ok, affaire. Pas japonais x2, quoi. Ah putain, sale crado, tu l'as pas fait. Ah merde, l'abruti. Berk. C'est quoi ça, bas japonais x2? C'est un tout les petit briques pas. Les sur les côtés des escaliers. Ok, le coussin il est fait. Après, vous allez sur Fortnite? Non. Le chemin passe à le chemin. Ah putain, il a mal lavé ce tocard. Où est la deuxième pierre? Let's go. C'est fait, on finit? Alléluia, frère, j'en pouvais plus. Bon, les gars, en tout cas, merci pour ce live. T'apprécies ou pas le jeu surprise? Bah écoute, pas non, 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 non. J'ai pas aimé un peu. Ouais, ouais, on va arrêter, les gars. 250 viewers pour nous regarder laver, c'était cool.